Je suis Kwadjo Jean-Jacques. Je suis du groupement Yewayenyon. J'ai pris 700 000 pour augmenter mon activité. C'est l'élevage de poulets de chair. J'ai payé les poussins et puis j'ai payé les aliments. Avec cet argent, au moins, j'ai pu mettre des aliments en réserve. Et aussi, je n'ai plus la crainte parce que au moins je peux payer les médicaments pour mettre en réserve aussi. Donc cela m'a beaucoup aidé. L'idée m'est venue parce que à l'approche des fêtes, il y a les poulets qui manquent sur le marché. Et puis étant une femme aussi, on dit que l'élevage est réservé aux hommes. Donc moi, j'ai dit, je vais relever ce défi pour dire aux femmes que la femme peut tout faire. Ça n'a pas été aussi difficile parce que le groupement nous a octroyé un temps pour faire le planning de nos projets. Et quand on a monté nos projets, on a soumis à CARE et le projet nous a octroyé le crédit. Nous remboursons, comme pour moi je devais faire deux fois l'élevage, donc j'ai demandé à ce que je fasse les 6 mois avec le crédit octroyé et je vais rembourser avec les intérêts qu'ils ont demandé. Je vais prendre un crédit au-delà parce que je dois construire moi-même mon poulailler et ce poulailler-là je loue à 15 000 francs par mois, ce qui me revient cher, alors que si j'ai moi-même mon poulailler, je peux avoir au moins des bénéfices en fonction de là aussi. Dans 2 ans, je veux que mon activité grandisse. Actuellement, je prends 400, mais je veux prendre au-delà de 1000. Et même, pourquoi pas, moi-même commercialiser ma marchandise sur place. Pourquoi ne pas congeler aussi sur place? Le groupement est devenu ma mère, le groupement est devenu mon père. Parce que c'est un point de refuge pour moi quand j'ai les difficultés de finance. C'est un point de refuge. C'est pour cela que j'épargne. Je continue d'épargner dans le groupement pour que d'autres femmes puissent prendre de l'argent là-bas et faire leurs activités. Nous, on ne veut pas que CARE nous laisse. Nous voulons toujours l'accompagnement de CARE. Parce que CARE est notre papa qui lutte pour nous. On ne sait jamais si CARE nous laisse. Que va devenir notre relation avec Advance? Je veux être une femme libre, épanouie, qui veut continuer son activité, devenir grand plus que ce que j'ai commencé. Je veux faire d'autres activités. Pourquoi pas devenir femme dans le transport? En tout cas, rentrer dans le commerce. Pourquoi ne pas aller à l'international?